J'ai 22 ans. J'ai passé mon bac à Strasbourg. Et après mon bac, j'ai décidé de ne pas faire d'études. Alors, si j'ai décidé de ne pas faire d'études, c'est parce que j'ai une sorte d'intuition. J'ai l'impression que cette intuition rentre en contradiction avec le concept d'études. Je vais vous partager mon intuition. J'ai l'impression qu'il se passe en ce moment, et depuis quelques années, quelque chose de remarquable. J'ai l'impression qu'on est tous de plus en plus attentifs au monde qui nous entoure. J'ai l'impression que les gens qui sont arrivés avant moi, les générations précédentes, sont en train d'affiner leur conception du monde et sont prêts de plus en plus à admettre une forme de transversalité dans leur mode de jugement. Ils prennent ainsi l'importance de certains détails. Alors, je reste volontairement vague, en fait, parce que c'est plus une intuition, c'est plus de l'ordre du ressenti. Et globalement, je me rends compte que si j'ai pas fait d'études, c'est parce que, par exemple, le côté un peu transversal, le côté un peu décloisonné, dans les études, je le reconnais pas. Par exemple, au lycée, on va parler de religion, on va parler d'économie, mais on va pas parler d'économie des religions. On va parler de marketing, on va parler de médecine, mais on va pas parler du marketing de la médecine. Alors éventuellement, on va parler de l'histoire de l'art, mais on va pas parler de l'art de l'histoire. Il y a une chose qui me dérangeait, c'est le manque de recul, globalement. J'ai l'impression que le monde dans lequel on va prendre tous de plus en plus de recul, on va tous devenir de plus en plus lucides par rapport à la vie, au monde qui nous entoure et au miracle qu'est la vie. Si j'étais directeur de lycée ou si j'étais professeur ou instituteur, j'arriverais le premier jour et je dirais bonjour les enfants, avant que nous commencions à tourner autour du pot. J'aimerais que vous gardiez à l'esprit que personne n'est en mesure d'établir rationnellement pourquoi ni comment nous sommes en vie ici sur Terre. Là, c'est honnête. C'est ça dont je veux parler, moi. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Et je trouve que au lycée, on était gênés, on n'en parle jamais. On ne parle jamais de l'infini, on ne parle jamais de ce petit doute qu'on a tous au fond de nous. Et j'ai développé une sorte de complexe de l'infini, je n'osais pas trop en parler. Et c'est pour ça que j'ai fini par en peindre un tableau, dont la photo est ici, voilà. C'est une spirale qui commence dans l'infiniment petit pour symboliser le mouvement de ces petites particules qui gravitent autour de petites particules avec le vide entre les deux et qui, dans ce mouvement-là, créent le monde qui nous entoure. Là, la spirale prend un aspect un peu plus cubique pour symboliser le monde fait de tables, de chaises et de maisons et de voitures à quatre roues et de fusées qui s'envolent pour aller voir de plus près ces énormes particules qui tournent autour de grandes particules, faites elles-mêmes de petites particules, et le vide qu'il y a entre les deux. Donc je voulais commencer en disant que s'il y a bien quelque chose dans quoi je ne doute pas, c'est que le monde dans lequel nous vivons est tout à fait particulier. J'ai déménagé à Paris parce que je me suis rendu compte que tous mes amis, les uns après les autres, allaient faire leurs études à Paris. Et moi, je suis arrivé à Paris, j'étais le seul à ne pas faire d'études. Donc j'avais pas mal de temps libre. J'aimerais vous raconter maintenant qu'est-ce qui s'est passé pendant que mes amis étaient en cours et comment j'ai réussi à exploiter ce temps libre. J'avais tout le temps ma guitare sur moi parce que je joue de la guitare. Et je me baladais dans la rue tout le temps avec ma guitare, ce qui me permettait de rencontrer pas mal de gens. Alors la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que tu fais comme étude? Là, j'étais obligé de répondre un peu en dehors de la question en disant j'ai pas spécialement envie de me spécialiser. Ou au contraire, même, pas au contraire, mais j'ai spécialement pas envie de me spécialiser. Voilà. Mais je me suis rendu compte que si mes amis faisaient des études, c'est aussi parce qu'il faut bien faire quelque chose de nos journées. Et là, je me suis dit, il faut que je commence à entreprendre quelque chose. Avec trois amis de Strasbourg, on a eu l'idée de faire la fête. On ne va pas faire la fête juste comme ça, on va organiser la fête. Alors, on dit souvent que le cinéma, c'est un art qui permet de mélanger tous les autres arts. Mais en fait, j'ai remarqué que quand on fait la fête, c'est un art pour moi, qui permet de mélanger tous les autres arts, dont le cinéma, dont la vidéo. Et comme j'avais pas mal d'amis qui faisaient des études dans les différents domaines, et ben on a fini par monter une sorte de collectif. Et pour moi, qui ne comptais pas vraiment me spécialiser pour l'instant, organiser des soirées, c'était plutôt idéal. Parce que j'avais justement cette transversalité, ce décloisonnement que je cherchais.
Alors on s'est réunis, on a commencé par étudier le schéma classique d'une soirée. Alors une soirée à Paris, c'est quoi? Il y a un lieu, on se donne rendez-vous dans un lieu, voilà. Après, il y a de la musique. Il va y avoir deux, voire trois DJ. Et puis après, on se bourre la gueule, voilà. En gros, c'est ça. Le concept est assez simple. Et puis, ben, nous, on s'est mis à douter de ce schéma, on s'est mis à douter de l'efficacité de ce schéma, et on s'est dit, bon, on va le remettre en question. Et avec la dizaine d'amis strasbourgeois, plus d'autres rencontres faites sur la route, on a monté les soirées pain surprise. Alors pourquoi pain surprise? Parce que tout est surprise. Et pourquoi il y a un S à surprise? Parce qu'il y a plusieurs surprises. Et on arrivait à mettre au point un schéma de soirée, que je vais vous présenter tout de suite, qui commence par le mystère. Alors les gens aiment bien le mystère. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti une vidéo qui dit « Rendez-vous telle heure, tel endroit, faites-nous confiance ». Voilà, ça commence comme ça. Et après, on s'est dit que quand les gens allaient arriver, il fallait qu'il y ait, donc évidemment, donc le lieu, et quand les gens allaient arriver dans ce lieu, il fallait qu'il y ait de la musique. On ne va pas mettre 3 DJ, on va mettre 5 DJ. En plus des 5 DJ, comme il n'y a pas de moins en moins de concerts dans les boîtes de nuit, on s'est dit on va rajouter un concert. On va mettre un concert quand les gens arrivent, et un concert à 3h du matin, au moment où ils ne s'y attendent même plus. Et là, on s'est dit, ça ne suffit pas. En soirée, on aime bien être quoi? On aime bien être choqué, on aime bien être surpris, on aime bien être étonné, on aime bien parfois réfléchir sur certains sujets. Et c'est là qu'on s'est dit, on va rajouter des happenings, comme on dit. Les happenings qui pouvaient être en fait divisés en deux catégories, les performances qui apparaissent à n'importe quel moment de la soirée, et des attractions, plus fixes. Voilà. Et là, on s'est dit, si on arrive à donner ça, si on arrive à mettre au point ça, là, on peut se bourrer la gueule. Et là, c'est marrant. Donc là, c'est quelques photos des vidéos qu'on a faites. On voit qu'il y a, voilà, il y a un certain nombre de vues. On s'est dit, voilà, si une personne sur 10 voit les vidéos vient, eh ben on est bien. Et puis les soirées ont bien marché. Les soirées ont même plutôt très bien marché. En fait, on a fait complet tous les soirs. On a fait 8 grosses soirées et on a réuni à peu près 5000 personnes à Paris. Donc là, c'est un exemple d'attraction. Il y avait une femme avec un cobra. Il y avait, là, par exemple, c'est une culturiste. On invitait les garçons à venir faire un bras de fer contre une culturiste pour offrir, pour gagner un verre et l'offrir à une copine. C'est à peu près ce schéma-là. Là, c'est un peu plus choquant. Il s'agit d'un concours de burqa mouillé. Donc là, c'est tout de suite, on rentre dans le vif, quoi. Voilà. On a ressuscité Claude François, le temps d'une chanson. Ça, c'est nos danseurs. Voilà. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi ça a marché? En fait, si ça a marché, c'est parce que on n'a pas eu aucun scrupule à remettre en question la norme. En fait, on a douté sur le schéma classique. Et au fur et à mesure des soirées, eh ben, on a douté de nous-mêmes. Voilà, donc deux doutes pour moi qui sont bons. Remettre en question l'usage, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et se remettre en question soi-même. Et pour ça, il faut avoir un maximum de confiance. Voilà. Ça ne marche pas sans la confiance. Et alors, pour exercer ma confiance en moi, je me suis dit, il faudrait que je m'exerce en rentrant en contradiction un petit peu avec la norme. Et là, j'ai constaté que les gens de mon âge, en fait, pour se sentir un petit peu justement en dehors de la norme, eh ben, ils vont se raser sur les côtés. C'est là, c'est la nouvelle coiffure. Et donc, je me suis dit, si je veux travailler ma confiance en moi, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Voilà. Donc, je vais vous laisser voir ça. Voilà. Ça fait un peu comme une sorte de calvitie. Voilà. C'est la coiffure que personne ne souhaite, en fait. Donc j'ai décidé de l'adopter. Et puis en fait, les 2-3 premiers jours ou la première semaine, quand on se balade dans la rue, ça fait un peu difficile, mais après ça va et on développe une nouvelle confiance. Voilà. Donc maintenant, je suis à nu devant vous et j'aimerais vous parler d'une deuxième aventure. J'avais ma guitare tout le temps avec moi, comme je vous ai dit, posez ça là. J'avais ma guitare tout le temps avec moi, et sur mes trajets, je passais toujours par la même station de métro à Paris, et en fait, je croisais un clochard, toujours ce même clochard avec une guitare, avec qui j'ai sympathisé, parce que bon, t'as une guitare, j'ai une guitare, bah, on joue, quoi. Et puis je jouais avec lui de temps en temps dès que je le croisais, jusqu'au jour où je le vois, et puis il avait l'air vraiment mal, il avait l'air un peu dépité. Et on commence à discuter, et puis donc il me dit en fait qu'il était donc vraiment pas bien, que
plus personne, enfin plus rien ne comptait pour lui, et que si j'étais pas arrivé, bah, il se serait jeté sous le métro. Et du coup, je l'ai pris et je l'ai emmené à la maison. Alors à l'époque, j'habitais dans un 15 mètres carrés. Et je l'ai ramené. Et puis je pense que ça lui a fait du bien de pouvoir discuter, un peu relativiser et rencontrer des jeunes. Et puis en fait, il est parti le lendemain en me disant merci, mais je ne peux pas te laisser vivre dans 15 mètres carrés comme ça, tu mérites plus. Il est parti en disant garde mes affaires, garde ma guitare, je vais trouver un lieu. Une semaine et demie après, je reçois un SMS, rendez-vous telle heure, tel endroit, fais-moi confiance. Donc, pour rester fidèle à la logique de mon collectif, j'y vais et je tombe sur cette maison. J'arrive devant cette maison. Je passe le portail et là, je vois Franck qui me dit bah, bienvenue. Et je comprends petit à petit qu'il avait juste changé la serrure, rebranché l'électricité. Cette maison appartenait à la mairie, était abandonnée depuis 10 ans. Et là, il me dit, dans une semaine, l'EDF sera à mon nom et tu pourras emménager parce que nous ne serons plus expulsables. Sans décision de justice. Il faut qu'un juge décide de nous mettre dehors, ce qui nous laisse environ à peu près un an et demi. Voilà. Et là, c'est le doute. Là, c'est une autre forme de doute, c'est plus la réflexion contre la spontanéité. D'un côté, j'ai ma réflexion qui me dit, voilà, tu t'apprêtes à emménager dans un squat avec un clochard. Et de l'autre côté, j'ai ma spontanéité qui voit cette maison et qui fait bon, 400 mètres carrés quand même, ça, gratuit. Je peux faire tout le bruit que je veux, je peux faire ma musique, je peux inviter mes amis, je peux faire des soirées. Voilà. Donc, j'ai pas hésité très longtemps. Surtout pour moi, déménager, c'est rien. J'ai juste à prendre mes habits et ma guitare et c'est parti. J'ai été. Alors, pour moi, qui cherche à décloisonner, qui cherche à mélanger les disciplines, la vie de squatteur est assez idéale, encore une fois. Parce que quand on est squatteur, on est à la fois un peu plombier, un peu menuisier, il faut être bricoleur, il faut être un peu électricien. Et puis, il faut aussi développer un peu les qualités de l'historien, du sociologue. Il faut réussir à analyser l'histoire et les gens du quartier dans lequel on s'incruste. Et puis, il faut être aussi un petit peu diplomate avec les voisins. Donc, je me rappelle par exemple que Franck avait eu la bonne idée d'aller gentiment repeindre le portail du voisin d'en face, ce qui faisait de lui à ce moment-là une sorte de peintre en stratégie de communication. Et puis, il y a un moment donné où il faut devenir juriste. Il faut monter une association et il faut plaider au nom de cette association. Et Franck m'a appris tout ça. Mais il m'a aussi appris pas mal de choses, il m'a donné du recul sur pas mal d'éléments. Donc par exemple, il m'a appris à fouiller dans les poubelles en pleine journée. Ça, c'était... Il m'a appris à distinguer l'immoral de l'illégal. Il m'a appris à préférer une réalité plutôt qu'une autre. Il m'a appris, en fait, que celui qui avait raison n'était pas forcément celui qui a la vérité, mais en fait, celui qui a raison, c'est celui qui est le plus persuasif. Il m'a appris aussi une façon de développer du recul sur mon milieu social. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est le truc le plus important qu'il m'ait appris, c'est que grâce à lui, qui a beaucoup souffert dans sa vie, je me suis rendu compte qu'il y a des gens pour qui la vie est beaucoup plus dure que pour moi. Je me suis rendu compte que si je me retrouve à organiser des soirées sur les Champs-Élysées au bout de 6 mois d'arriver à Paris, c'est parce que j'ai travaillé dessus, mais c'est aussi parce que je suis né dans un endroit où il y a déjà de l'argent. La limite entre les deux n'est pas vraiment difficile à établir. Franck disait, l'argent, c'est l'art des gens. L'argent, c'est une quantification du travail, la qualité de travail des gens, du temps de travail. Quelqu'un qui a autant d'argent que moi, c'est quelqu'un qui travaille peut-être autant que moi. Quelqu'un qui travaille 2 fois plus, hein, il peut développer 2 fois plus d'argent. Mais quelqu'un qui a 1000 fois plus d'argent que son entourage, c'est pas quelqu'un qui travaille forcément 1000 fois plus ou 1000 fois mieux. Voilà. C'est quelqu'un dont l'art est de valoriser l'art des gens qui l'entourent. Voilà. Franck disait aussi, quand tu consommes, t'es con en somme. C'est cool. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le décalage entre Franck et moi et tous les bobos naïfs que je ramenais ne me permettait pas vraiment de me projeter dans l'avenir. Et Franck, petit à petit, a commencé à se monter contre moi. Et j'ai dû déménager,
parce que ça me mettait une sorte de pression mentale. Je ressentais comme de plus en plus de doutes par rapport à l'avenir. Et c'est là que je voulais arriver sur les deux mauvais doutes, selon moi. Douter de notre bonne intention. Si quelqu'un essaye de vous faire douter de votre bonne intention, protégez-vous de cette personne. Et si cette personne, c'est vous, alors réfléchissez à pourquoi vous faites les choses. Et allez plus loin, plus loin, plus loin, et au fond, vous verrez que vous êtes bien intentionné. Remettre en question ses choix passés. Donc là, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je suis allé dans ce squat avec ce clochard? Ça n'a aucun sens. Ce n'était pas du tout mon programme, je suis arrivé à Paris pour faire de la musique, je me retrouve dans un squat, et au final, je me retrouve à la rue. Voilà. Pour moi, ce sont deux doutes destructeurs. Ce sont un doute qui détruit notre bonne intention et un doute qui détruit nos choix passés. Depuis ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aie toujours confiance en mon doute. Et s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas remettre en question, c'est le bénéfice du doute. Je me retrouve dans la rue. J'avais déjà dormi, vous imaginez, j'avais déjà dormi 15 fois chez mes 15 potes. Et du coup, je me retrouve vraiment voilà, à errer un peu, à rencontrer des personnes, dormir chez des inconnus. Et puis je reçois un message sur mon portable, encore une fois. Bravo pour l'article dans Glamour. Je comprends pas. Je vais au bureau de tabac, j'achète Glamour et qu'est-ce que je vois? Moi. Donc en fait, Glamour avait publié un article sur nos soirées, sur le succès de nos soirées. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'impact des médias sur les gens. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui étais au plus bas, moi qui étais à la rue, qui n'avais plus un sou, je me retrouve avec cet article dans Glamour et là, d'un seul coup, waouh, tout le monde dit bravo pour ce que tu fais. Alors je ne sais pas si mon père lit Glamour, mais en tout cas, mon père m'a appelé, m'a dit bravo, c'est un bon bulletin. Et à partir de là, il était d'accord pour m'aider, et c'est là que j'ai pu prendre enfin un appartement à moi. Donc je ferme la porte de cet appartement, je me pose à l'intérieur, et dans un sentiment de légalité justement cette fois-ci, et de moralité, ça me donne envie de peindre un tableau. Donc j'ai peint ce tableau, qui pour moi signifie un peu voilà, comment on évolue dans la vie. On n'évolue pas de façon linéaire. On a l'impression d'être jusque-là, on a l'impression d'être monté jusque-là, et puis en fait, sur un moment donné, on redescend. Mais on redescend jamais plus bas que l'état précédent. Donc j'étais en fin de pente, je commençais à me stabiliser. Et là, j'ai réfléchi à comment j'envisageais ma vie. En fait, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai? Dans quelle direction je devrais aller? Et donc j'ai repensé à mon collectif, et je me suis dit, voilà, si j'arrive à faire en sorte que tout notre petit délire de soirée tende à se professionnaliser, à ce moment-là, je serai quelqu'un d'heureux. Et donc, on a pas mal bossé, on s'est réunis avec ce collectif qui est fait à 90% de Strasbourgeois. Et puis, on s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On était tous d'accord qu'on voulait un peu décloisonner et faire différentes choses en même temps, et en même temps, chacun va se spécialiser dans son domaine. Et puis, on s'est dit, on va faire en même temps un label, et en même temps une agence de publicité, et en même temps une boîte de production vidéo, et en même temps on peut faire du web, et en même temps on pourrait faire des habits, et en même temps on pourrait faire tout ce qu'on veut en fait. Voilà. Les chaussettes Burlington nous ont appelés, parce qu'ils avaient bien aimé nos soirées, ils avaient bien aimé nos façons de faire des vidéos. Donc ça a été un des premiers éléments qui tendait à nous professionnaliser. Enfin, on a pu faire une vidéo pour un client, pour le monde normal. Et puis, on a eu pas mal de chance, parce qu'on a reçu un mail d'autres personnes qui avaient bien aimé nos soirées. Et on a reçu donc, ce mail, trois jeunes qui vivent à Poitiers, qui ont un groupe qui s'appelle Jabberwocky. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Mais en gros, ils voulaient bosser avec nous, parce qu'ils se disaient, voilà, on ne va pas signer sur une grande maison de disques, on va plutôt signer avec des gens qu'on pourra voir en face, des gens de notre âge, etc. Et puis, on a eu beaucoup de chance parce que ce groupe est resté en fait numéro 2 des ventes pendant à peu près 5 mois. Et puis, ils ont fini donc dans la pub Peugeot. Oh,
Et puis voilà, j'ai analysé qu'est-ce qui fait que j'ai voulu m'investir dans ce collectif par rapport à mon intuition de départ. Mon intuition de départ, c'est que le monde est en train de changer et que les domaines sont en train de se décloisonner. Donc je voulais mélanger ça et en même temps je voulais du recul. Je me suis rendu compte qu'un collectif, en fait, ce qui différencie un collectif d'une boîte, c'est qu'un collectif, à la base, on est amis. Ce qui fait que si, par exemple, demain, moi, je veux apprendre à faire de la vidéo, ou si demain, je veux apprendre à faire du graphisme, eh ben, je sais qu'il y a un ami, quelque part, qui pourra m'y aider. Si demain, quelqu'un qui, un membre de mon collectif a besoin d'une chanson pour une vidéo à lui, eh ben, je ne vais pas lui dire « Envoie-moi un mail, je te forward la chanson, t'inquiète. » Je vais lui dire « Viens à la maison, je vais lui faire un sandwich, on va se poser, on va prendre le temps, et peut-être que pour la première fois, ça va éveiller chez cette personne l'envie de faire de la musique. » Voilà. Donc, on garde un peu de recul par rapport à notre spécialisation. Et puis, je voulais finir en disant que ce qui maintient le collectif ensemble, c'est le recul. Voilà. C'est le recul par rapport au doute. Lorsque sur le chemin, il y a un conflit entre deux personnes, on a le recul de se dire que dans tout conflit qui oppose deux parties, il y a toujours un parti qui représente, entre guillemets, la règle et un parti qui représente son exception. Voilà. Que ce n'est pas forcément, c'est pas forcément foncièrement opposé. Donc ça m'a donné envie d'en faire un tableau, pour qu'on comprenne bien. Voilà. Et donc j'ai fait ce tableau qui, pour moi, un peu symbolise la différence entre la droite et de la gauche. Voilà. Y a le mec de gauche qui va regarder les petites flèches et qui va dire « Bon, écoute, moi, je vais aller par là. » Et puis, il y a le mec de droite qui voit la grande flèche et qui fait « Ouais, ouais, vas-y, viens, on va plutôt aller par là. » Et ça crée un conflit. En réalité, je pense que ce qui crée le conflit, ce n'est pas vraiment l'opposition des deux flèches. Ce qui crée le conflit, c'est que chez les deux parties, il y a une profonde certitude que l'issue de ce conflit sera une issue gagnant-perdant. Donc le gagnant va se donner le rôle du gagnant et le perdant va accepter le rôle du perdant. Mais en réalité, je pense que ce schéma est assez manifeste et prouve que c'est possible qu'il y ait deux flèches opposées au même endroit, au même moment. Voilà. Pour finir, je voulais dire que avec ce collectif, voilà, c'est vraiment, j'espère que ça va marcher, qu'on va réussir à fonctionner sur la durée. Mais le but, à terme, je pense, c'est de réussir à enfin décloisonner l'artistique, l'activité artistique et l'activité pratique. Et puis, un jour, peut-être, on arrivera à faire du lucratif humanitaire. Merci de m'avoir écouté.